Voilà. Bonjour Ingrid et Marc. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, je suis heureux de vous retrouver parce qu'en fait, on a eu, Marc, un premier échange que j'avais intitulé Quand un prêtre tombe amoureux d'une femme, c'est la femme qui est à côté de toi. Et en fait, tu es effectivement avant cela resté dans la prêtrise durant 20 ans. Et puis, j'ai eu un deuxième échange avec Ingrid que j'avais intitulé L'emprise conjugale. Et alors, je l'ai remarqué finalement en revoyant un petit peu nos échanges. Cette emprise a aussi finalement quelque part a duré une vingtaine d'années. Et puis il y a ce troisième échange, je voulais l'avoir avec vous deux du coup, et que j'ai intitulé de l'emprise à l'amour, parce qu'en fait, peut-être que quelque part tout finit par arriver. Et ce qui m'a frappé de fait dans nos échanges respectifs et individuels, c'est le fait que vous avez finalement chacun été frappé, je dirais, par une emprise commune, même si évidemment c'est dans un contexte différent. Et c'est peut-être finalement ce qui vous a permis de vous rapprocher en sachant de fait ce qu'était l'emprise, d'où vous veniez et ce que vous ne vouliez surtout plus, pour finalement vous retrouver. En vérité. Mais peut-être que du coup, en fait, Marc, tu peux peut-être justement nous rappeler ce qu'a été pour toi l'emprise, en fait, pendant toutes ces années. Ah, je pense que c'est le fruit d'une longue histoire où l'Église a un rôle où ma liberté finalement est niée par une institution qui, avec ne serait-ce qu'avec un accompagnateur spirituel qui projette hein, sur moi une sorte de certainement de fantasme voilà, amoureux jusqu'à bah, une relation où il n'y a plus beaucoup de liberté hein, pour moi. Et puis souffrir du poids d'une institution qui ne comprend pas le mal-être que je vis. Et puis découvrir aussi que dans mon histoire, il y a aussi le poids d'une institution, par l'histoire de ma grand-mère, de ma mère, liée à l'Église d'Irlande. J'en avais certainement parlé autour des maisons de travail, workhouse, des femmes qui ont un enfant illégitime, qui sont mis en travail forcé, un enfant adopté de manière forcée. Au sein de congrégations religieuses. Donc voilà, tout ça, c'est un peu cette histoire. Et puis de découvrir que je suis dans un train en marche sans savoir où se situe la porte de sortie et ce sentiment d'oppression qui va jusqu'à aussi un évêque qui m'écoute, mais qui ne m'entend pas quoi, dans ce que je vis comme souffrance et qui même voudrait que je sois moi le problème, que je sois moi celui qui vient poser problème à l'institution. Voilà, et comme beaucoup de prêtres qui, à un moment donné, s'interrogent ou interrogent l'institution sur ce qu'ils vivent et qui deviennent finalement eux le problème. Plutôt que l'institution. Ouais. Mais j'imagine aussi, Marc, que tu as essayé de décoder quelque part ce qui avait permis, entre guillemets, cette emprise sur ta vie, parce que en même temps, il y a évidemment le contexte d'emprise qui est celui que tu décris, et en même temps, il y a évidemment ce qui fait qu'on se laisse de fait, mais sous emprise aussi. Et c'est complexe, et on en parlera juste après, si tu veux bien, par rapport justement au cas de François de Foucault, où on parle beaucoup de l'abus de l'institution en tant que telle qui n'a pas reconnu ce qu'il essaie d'exprimer en termes de souffrance. Et puis il y a le cas échéant, ses propres problèmes à lui, qui ne dépendent pas évidemment de l'institution. Et les deux, parfois, souvent, sont mêlés aussi. Les choses ne sont jamais aussi claires que ça. Et donc, je dirais pour toi, ce qui a permis l'emprise, tu as pu l'analyser au niveau justement de cette origine? De mon origine familiale, tu veux dire, Oui, non? c'est Oui, ça, peut-être. là aussi, c'est un contexte familial. Alors, je fais tout un travail, d'ailleurs, généalogique, hein, pour Oui. bien le comprendre, même psychogénéalogique, voilà, pour essayer de percevoir justement comment c'est une famille aussi qui se laisse mettre à un moment donné sous l'emprise d'une famille très religieuse.
Et puis y a des prêtres qui interviennent là. Voilà, moi, je cite souvent ce moment, où, je crois que j'en ai parlé aussi, où le directeur spirituel vient dans ma famille, et parce qu'il faut que je dise que je veux rentrer au séminaire. Alors, est-ce que c'est moi qui veux le dire, ou est-ce que c'est lui qui le veut finalement, et qui fait que je le dis et que je m'engage dans quelque chose que j'ai pas vraiment choisi, et que après tout ça est confirmé par un système. Quand mon évêque accepte que je sois nommé dans la paroisse de mon directeur spirituel pendant ma formation au séminaire, là aussi finalement je me sens enfermé dans un système. Quand je souffre dans ma première paroisse, un peu pour des raisons assez proches de celles de François, parce que j'ai envie un petit peu de réformer les choses, d'apporter un peu un vent de modernité, et qu'il y a des paroissiens qui ont des postes de responsabilité, qui viennent finalement contester cet élan que j'ai de vouloir réformer, et qui utilisent mon curé contre moi, m'isolent. Voilà. Et que là, mon évêque ne me soutient pas, et me remet dans les mains de ce directeur spirituel, et d'une autre personne proche du conseil épiscopal aussi. Voilà, donc, en fait, on est pris dans un engrenage où il y a une multiplicité d'acteurs qui viennent nous enfermer, quoi. Mais en fait, Ingrid, comme toi, Marc, en fait, vous avez pris conscience petit à petit justement des maltraitances de l'Église. Et donc, je voudrais évidemment faire le lien avec l'actualité toute récente dont on parle beaucoup, effectivement, entre guillemets, le cas François de Foucault, qui était près à Versailles depuis 18 ans et qui s'est suicidé en fait à l'âge de 50 ans en forêt de Rambouillet dans la nuit de jeudi à vendredi 1er juillet. Officiellement, on dit qu'il était sans affectation depuis septembre 2021 suite à des difficultés dans l'exercice de son ministère. Alors, moi, j'ai envie de dire, évidemment, de fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce langage policé? Est-ce qu'il y avait des problèmes psychologiques? Est-ce que finalement, il se sentait extrêmement seul? Et éventuellement, de fait, est-ce qu'il a été confronté à l'inaction complète de sa hiérarchie en voulant dénoncer des problèmes qu'il vivait au quotidien dans sa paroisse. Donc, comment finalement expliquer ce geste effectivement extrême que personne ne semble avoir vu, alors que quelque part, on l'avait dit en off, il avait déjà dénoncé quelque part les choses dans le Journal de la Croix en décembre 2021. Donc, il annonçait déjà quelque part ses propres difficultés. Alors, après coup, dire que finalement, on regrette, on ne comprend pas ou on essaie de comprendre, c'est toujours un petit peu tard. Donc, comment vous vivez en fait les choses, comment vous avez perçu cette situation? Oui. Bah, moi, il y a beaucoup de choses parce que il y a différentes choses qui se mêlent. J'ai été ordonné le même jour de la même année Que François. que François, à un endroit différent. J'étais Versailles, moi, à Saint-Denis. Donc, déjà cette première similitude. La deuxième chose, c'est que je dis souvent que si j'avais pas rencontré Ingrid, je pense que j'aurais certainement fini de la même manière. Que François, parce que le sentiment d'être totalement isolé, d'être un problème plutôt que voilà, et même quand ce désir de réformer, d'apporter des choses nouvelles dans l'institution nous pousse à continuer, mais c'est j'oserais dire presque une course folle, parce que moi, ce que je perçois, c'est que François, à un moment donné, est lâché par une institution. C'est-à-dire qu'il a certainement été quelque part adulé, y compris par son évêque, celui qui l'a ordonné prêtre. Et puis à un moment donné, il est lâché parce que il commence à mettre en cause la gouvernance. Donc ça va plus loin, simplement, qu'une petite contestation avec un groupe de paroissiens de Bois d'Arcy. Hein. Il est, voilà, il ne se sent plus écouté. Voilà. Et combien de fois, moi, j'ai senti que
voilà, que j'étais pas écouté. J'ai été au conseil presbytéral plusieurs fois, mes remarques étaient un petit peu, quand elles devenaient gênantes, c'était voilà, c'était moi qui devenais le problème. Je me souviens de plusieurs cas où voilà, par exemple sur la gouvernance des paroisses. Moi, je dis, pourquoi est-ce que ce doit être le curé qui doit tout gouverner dans une paroisse? Pour des personnes laïques qui pourraient avoir une mission de gouvernance dans les paroisses. Et donc là, on vient apporter quelque chose, puis on se rend compte que l'institution n'est pas du tout prête à bouger d'un iota sur ces questions de gouvernance. Je sens bien que lui qui était voilà, qui était peut-être adulé, que l'on a Oui, voilà, sûrement novateur dans son novateur, opération aussi. et puis bah, le côté un petit peu pervers de sacraliser une personne, et puis d'un seul coup quand cette personne sacrée vient un peu contester des pouvoirs bien établis, là on l'isole, et puis on dit quel est le problème. Et puis François, s'isolant, ne comprend pas pourquoi lui serait le problème, et donc va aller de plus en plus loin pour dire c'est à l'institution de se remettre en cause, et donc va utiliser beaucoup de leviers, je trouve, aussi chercher quelque chose que moi j'ai cherché, c'est-à-dire de mettre des gens hors institution dans l'affaire. Voilà, à un moment donné, il fait appel à un avocat pour opérer une médiation. Donc, en se disant, voilà, ça va me sortir de ce conflit où je serai forcément perdant, parce que si ça se passe qu'à l'interne, l'institution va m'écraser, va me broyer. Et ça, il en est conscient même de ce qu'est en train d'opérer cette machine à broyer. Avec sa puissance, et donc il essaye de faire entrer d'autres personnes, et puis à un moment donné, même ça, c'est si difficile. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais si tu l'avais eu 3 semaines Au avant téléphone. son suicide, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je lui aurais dit, fuis. Je lui aurais dit, pars. Je lui aurais dit, commence par, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus d'autre échappatoire. On a peu l'impression parfois que l'Église sacrifie ses meilleurs serviteurs quelque part, hein. L'Église, en fait, appelle aux vocations, dit que c'est une vocation absolument magnifique, un idéal incroyable pour Dieu, pour le peuple de Dieu. Et puis finalement, quand on y est, on se rend compte quelque part que la hiérarchie est totalement incapable de prendre soin quelque part de son clergé, des prêtres ici en l'espèce. Mais alors du coup, on a l'impression que après cette omerta absolument phénoménale de l'Église sur tout ce qui se passait en interne, on a l'impression justement qu'après les abus de l'Église à l'égard des victimes des laïcs, on se rend compte que quelque part, il n'y a pas que les paroissiens, il n'y a pas que les laïcs, il n'y a pas que ceux qui fréquentent finalement, je dirais, l'Église au quotidien qui en sont victimes, il y a aussi finalement les prêtres eux-mêmes. Et là, c'est peut-être nouveau, eux-mêmes commencent du coup à bouger, à prendre la parole, à dire, mais nous aussi finalement, on est maltraités. Alors que nous, quand on est paroissien et qu'on va à la messe du dimanche, on se dit, c'est joli, c'est magnifique, le prêtre a l'air sympa, il a l'air souriant, il tend la main, il fait la bise, humainement, il a l'air équilibré. Et puis en fait, on se rend compte que non, il est en pleine souffrance en fait. Et François, ce n'est qu'un cas encore qui revient quelque part mettre une goutte d'eau en plus, mais ce n'est pas le premier, ce ne sera sans doute pas le dernier non plus. Oui, C'est parce que. impressionnant cette prise de conscience. Ouais, parce qu'on dit. Ouais. Non, mais de toute façon, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense, enfin, c'est un peu le même système pour moi. L'Église étant pour moi une grande manipulatrice, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que tout est beau, tout se passe bien, les prêtres vont bien, etc., etc. Sauf que quand on creuse un peu, ben, on voit que ça va pas bien. Et surtout, pour moi, c'était très édifiant. C'est-à-dire que durant l'homélie, quand Lazare dit que François avait des problèmes avec l'autorité. Déjà, c'était hyper mal placé parce qu'on ne dit pas ça, on dit pas ce genre de choses lors d'une homélie de funérailles. Et en fait, il défendait l'institution en accablant François. Et c'est exactement le process
d'un manipulateur, d'un pervers manipulateur. C'est-à-dire que moi, mon ex-mari, il a eu exactement ces propos-là. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas que les gens viennent me parler parce que j'étais complètement folle et de toute façon, je racontais n'importe quoi. Donc pour moi, c'est exactement, enfin, si tu veux, tu vois, quand je mets le truc en parallèle, c'est tout à fait le même processus, quoi. En fait, toi, quand tu entends ce qui se passe en fait lors des funérailles, quelque part, ça résonne en toi par rapport à ta propre histoire, et tu te dis effectivement C'est ça. les hommes finalement font de la même façon. Ils sont, je dirais, enfin, pas tous évidemment, mais ceux-là en tout cas en particulier sont profondément manipulateurs, pervers. Ils ne veulent absolument pas se remettre en question. Et C'est donc du ça. coup, c'est effectivement la femme qui est coupable pour toi, et Oui. ici le prêtre qui est responsable de sa situation, Voilà. et il se suicide parce que il est Il n'en peut fragile. plus. Et... Moi, j'appelle ça, enfin, quand tu lis un peu justement les livres dont j'ai fait un peu la bibliographie, en fait, ça s'appelle un suicide forcé, quoi. C'est-à-dire qu'on pousse la victime. Alors évidemment, l'Église, elle va dire, bah oui, mais c'est pas moi, on ne lui a pas tiré dessus, on l'a pas, etc. Sauf que la personne, elle est tellement au plus mal et l'institution a fait en sorte qu'il soit très très mal. Alors je dis pas qu'il a, voilà, on a tous nos fragilités. Je dis pas Bien que sûr, Marc a sa oui. fragilité. J'imagine que toi aussi, tu es très fragile. On est Bien sûr. tous plus ou moins fragiles. Mais par contre, voilà, pour moi, ouais, c'est un suicide forcé. C'est-à-dire que, si tu veux, je pense qu'il n'avait pas d'autre issue, il ne voyait pas d'autre issue à ce moment-là. Et moi, je le dis franchement, je ne sais plus si je l'ai dit lorsqu'on a eu notre échange, mais moi, il y a eu un moment où je me suis, enfin, je m'en pouvais plus et je me suis dit, je vais mettre fin à mes jours, parce que je enfin. J'étais fatiguée psychologiquement parlant, j'étais fatiguée physiquement parlant, et je me suis dit, la seule issue, c'est ça. Et en fait, le seul truc qui a fait que je ne suis pas passée à l'acte, c'est en fait, d'imaginer mon cercueil avec mes 5 enfants autour. Et là, d'un seul coup, tu vois, j'ai eu un truc qui m'a sauté la figure. Je me suis dit, non, je ne peux pas leur faire ça, c'est pas possible. Alors que le prêtre, il est dans un isolement encore plus Bah grand, oui. parce que et en plus le système lui dit d'une certaine manière. Quand je dis le système, c'est aussi les gens qui sont instrumentalisés là-dedans. Bah oui, tu dois souffrir, tu parce que tu t'es sacrifié et que tu as fait de ta vie un sacrifice. Et donc il y a tout ce système qui devient un système mental qui fait que on a plus de porte de sortie s'il y a personne pour nous dire, attends, ta vie, elle n'est pas faite pour souffrir un sacrifice. Parce que tu ne te sacrifies pas en plus pour les bonnes causes, quoi, parce que je sacrifie pour réserver du pouvoir, quoi, donc, Mais c'est toute la doctrine de l'Église, quelque part, l'aspect sacrificiel, hein, comme Jésus s'est sacrifié sur la croix pour sauver le monde. Hein. On demande au prêtre de se configurer au Christ, donc forcément, on demande au prêtre de ressembler à Jésus avec la manière dont, effectivement, l'Église perçoit le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est tout le problème. Et finalement, on demande aussi à la femme, par ailleurs, de se sacrifier aussi pour son mari et de fait d'être complètement soumise. Et Oui. on est un petit peu dans le même Clairement. régime. Hein. Exactement. Mais du coup, en fait, toi, parce que j'ai demandé effectivement à Marc de nous rappeler un tout petit peu comment l'emprise s'était mise en place, tu peux nous rappeler un petit peu aussi, du coup, Ingrid, comment toi, l'emprise s'est mise en place et du coup aussi, peut-être, ce qui a permis, entre guillemets, de laisser cette emprise sur ta vie aussi pendant une vingtaine d'années. Oui, bah moi ça a été donc j'ai rencontré le père de mes enfants enfin très jeune puisque je n'avais que 19 ans. En plus j'ai été à ce moment-là très fragilisée parce que moi je venais enfin, c'est ça qu'on n'en avait pas parlé mais j'avais vécu quelque chose de compliqué avec mes parents à ce moment-là et bon il y a mon éducation aussi qui joue aussi beaucoup et en fait bah, si tu veux souvent, je dis, mes parents ont finalement préparé le terrain quoi, pour que ça s'installe malgré moi. Et donc, bah, ça s'installe de petit à petit, de manière insidieuse. On ne se rend pas compte, enfin, on se rend pas compte que tout se referme sur nous, quoi. C'est-à-dire que dans le quotidien, bah, d'un seul coup, il va dire mais pourquoi tu t'as envie de voir telle ou telle personne? T'as vu comment enfin, elle ne représente rien. Enfin, voilà. Et petit à petit, bah, c'est des choses qui finissent par te rentrer dans ton être, en fait. La même manière que quand moi, il m'humiliait. De façon récurrente, eh ben c'est des choses qui finissent par
Ouais, par rentrer, et puis tu finis par le croire, malheureusement. Donc voilà, et c'est ça la mise sous emprise, et de se retrouver à faire des choses qui sont même totalement aux antipodes de ce que tu ressens, enfin ce que tu voudrais vivre, est-ce que tu voudrais faire vivre aussi, parce que moi, du coup, ça a impacté aussi mes enfants. Voilà quoi, enfin, c'est. Oui, c'est ça. Tu vis vraiment à tes propres dépens, quoi. C'est ça. Mais en fait, ce qui est évidemment, c'est quelque part, on voit bien la complexité d'une vie. Je veux dire, une vie n'est pas noire ou blanche, c'est-à-dire que les choses sont mélangées et on a quelque part, entre guillemets, notre part de responsabilité aussi. Mais ça n'enlève rien au fait, évidemment, que l'abuseur reste l'abuseur et l'abusé reste l'abusé. C'est-à-dire que c'est parce qu'effectivement, on a eu des failles psychologique, des défaillances, que l'enfance n'a pas été évidente, que l'autre évidemment peut en profiter. Donc là aussi, il faut faire la part des choses. Et donc, moi personnellement, évidemment, je suis toujours très désagréablement surpris quelque part quand quelqu'un dit, enfin bon, c'est sa faute parce qu'il avait des défaillances. Mais en même temps, il est abusé et reste effectivement l'abusé. Et l'abuseur reste l'abuseur. Mais du coup, en fait, ce qui aussi m'interpelle, parce que bon, je vous suis un tout petit peu sur les réseaux et je vois un petit peu comment tous les deux vous interagissez. Et j'ai le sentiment que même si de fait, c'est très compliqué parce que je pense que quand on a vécu chacun de part et d'autre l'emprise, refaire confiance dans un lien, c'est compliqué en se disant, j'ai pas du tout envie de repasser justement 20 ans de ma vie de nouveau sous l'emprise d'une autre personne, le cas échéant. Donc, comment on fait finalement pour passer de l'emprise à l'amour après tout ce temps où ça n'a pas été évident? Bah c'est pas si évident, c'est pas si simple non plus. Parce qu'on a aussi des réflexes. Enfin, je veux dire, quand on a surtout, comme Marc, comme moi, ça a été quand même sur une longue durée. Donc forcément, ça impacte notre personnalité au plus profond de notre être. Donc effectivement, maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on est ensemble, mais donc j'allais dire les réflexes, ils commencent à s'effacer quand même, et heureusement. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à je veux dire, le moindre petit truc que Marc pouvait me dire, je me disais, oh, ça y est, ça, je repars dans quelque chose. Enfin, des petites réflexions, tu vois, des petits trucs du quotidien, où pour moi, c'était tellement tout le temps, enfin, j'étais en vigilance, moi, enfin, dans ma vie d'avant, c'était de la vigilance permanente. Et du coup, quand tu es en hyper vigilance, pour que ça s'en aille, il faut du temps, malgré le travail psychologique que j'avais entamé moi de mon côté. Donc, un tas de petites choses comme ça, je Oui, il y a des sortes de petites réflexions qui nous remettent Ben dans l'ancien contexte et qui Ben oui. font que parce qu'on communique beaucoup, c'est-à-dire que on le dit, voilà, on dit bah tu comprends Là, que oui, ça, ouais. ce que j'ai entendu là, ça me ramène À ce que j'ai à ce que vécu, j'ai ouais. vécu, et donc ça fait en sorte que l'autre peut parler de ce qu'il a vécu. Je pense que au début de notre relation, Ingrid avait besoin énormément de décrire, et surtout que c'était bien de décrire tout ce qu'elle avait vécu. Et donc, j'ai presque eu un résumé des 25 ans sur quelques mois, enfin quelques semaines, je ne sais pas, et moi de la même manière de mon côté, ce qui fait que on se comprenait de manière. Par cette description de ce que nous avions pu vivre. Et après, ce qui est important aussi, c'est de se laisser regarder par d'autres. Alors, ce qui était une difficulté pour nous au départ, puisque notre amour était, on va dire, caché. Hein, mais il y a eu quelques personnes qui ont été mises dans la confidence assez tôt. Donc eux nous regardaient aussi de l'extérieur. Oui, bah, il posait un regard sur nous comme étant, on était un couple, Comme et du couple. coup, enfin, parce que ça, Ils c'était savaient nos histoires voilà, réciproques. réciproque. Et du coup, c'était des gens qui avaient une certaine liberté aussi, parce que certains, eux aussi, avaient vécu voilà, et une sorte de libération dans leur vie, parfois, souvent d'ailleurs. Et nous posaient des bonnes questions, Ça met en sécurité quelque part. On se dit, ils savent de quoi
de quoi notre vie est faite, ça fait écho chez eux et on n'est pas, on va pas être jugé quelque part. On sait qu'ils ont fait du chemin aussi, qu'ils se sont remis en question et que la vie qui semblait tellement droite, tellement évidente, à un moment donné, on se dit ben non, ça me convient plus et on accepte de sortir des rails, quoi. Ça. Et Parce que donc, vous on êtes a une sorti des sorte rails pour de. le coup. Ouais. Et là aussi, je pense qu'on a fait tous les deux une forme de grand tri dans nos relations aussi. Et on est, c'est vrai, dans une forme de vigilance par rapport à. On va plutôt côtoyer des gens très libres ou qui respectent beaucoup la liberté de l'autre, des autres. Et oui, on est assez vigilant Ah là-dessus, ouais. je pense. Ben ça, c'est par contre, oui. C'est quelque Ouais. chose, quand tu sors de l'emprise, forcément que du coup, tu es un petit animal qui a été, ben, j'imagine toujours les chiens un peu battus, enfin, toi, les animaux qu'on. Voilà, qu'on. Et du coup, forcément, ben, la confiance, déjà, on ne va pas la redonner aussi facilement qu'avant. On a besoin d'être, voilà, de prendre du temps. Sentir que les gens prennent du temps avec nous. Et puis, effectivement, la confiance, on ne la redonne pas à n'importe qui. C'est-à-dire que je pense que maintenant, on peut le dire, enfin, c'est-à-dire, tous les gens qu'on côtoie ont cette volonté de vivre de manière très libre, enfin, voilà, libre C'est vrai. et vrai, en C'est ça. vérité. Authentique par rapport effectivement à son propre ressenti, ses émotions, et plus simplement un diktat venu de l'extérieur, quoi. Mais donc ça, c'est quand même un grand chamboulement aussi dans une vie de se dire que de fait, tout ce qu'on avait peut-être cru comme étant l'idéal, ce qui était le vrai, le bien, finalement, tout ça vole aussi en morceaux quelque part. Et Ingrid, comme toi, évidemment, en te mettant en couple avec un prêtre quelque part, tu es aussi vu quelque part comme la méchante, tu es baptisée par les bons croyants. Et toi, évidemment, Marc, quelque part, tu es ce prêtre qui avait une vocation et qui finalement l'a trahi aussi. Donc, ça, c'est beaucoup de bouleversements intérieurs de pouvoir quelque part refaire un choix qui soit justement sain, qui soit enfin peut-être pour la première fois conforme à ce que l'on veut vraiment vivre. Et ça a un prix. Ouais, et en même temps, je trouve que quelque part, façon, on se le disait il y a quelque temps, j'ai envie de dire, il faudrait que tout le monde vive un truc. Alors, je ne dis pas que tous les prêtres devraient, mais enfin, quelque chose de quoi. Mais parce que du coup, c'est vrai que notre expérience, enfin, notre choix de vie, on va dire, nous a permis vraiment d'assainir, on va dire, tu vois, autour de nous, totalement, les gens, enfin, nos relations. Parce Et de que. fait de dire ben, je choisis, c'est un ami d'Ingrid qui lui a soufflé une expression. Je choisis la vie. Je Voilà. choisis la vie, je choisis l'amour, quoi. Ouais, Et c'est ça. je le choisis, Ouais. quoi. Je choisis en pleine conscience Ouais. en vigilance par rapport à peut-être à des choses que je ne verrai pas ou inconscientes qui me feraient peut-être prendre des choix un peu. Parce qu'on a eu conscience aussi que dans notre itinéraire, à un moment où on croyait se libérer, finalement on On retombait. retombait. Et donc, c'est des moments un petit peu très délicats. C'est-à-dire, dans l'emprise, on a dans l'itinéraire un moment où, ah, enfin, je crois que je vais pouvoir me libérer. Et puis, voilà, moi, je me souviens, voilà, en 2007, il y a une autre personne qui arrive et qui finalement vient me renfermer. Et donc, Oui, c'est ça des demande du temps. moments clés, c'est des moments un petit peu délicats, c'est vrai. On ne peut pas vivre sans confiance aussi, c'est-à-dire qu'une vie sans confiance, je crois, ne peut pas exister. Mais c'est confiance et conscience que on peut s'enfermer ou être enfermé, quoi. Ouais. Oui, c'est un long chemin de prendre conscience justement de ses propres prisons mentales quelque part, hein, et de se dire que finalement ce que l'on pensait vivre comme étant libérateur, ben, en fait non, c'est pas ça du tout. En fait, on est en train de vivre complètement hors sol, à l'extérieur de soi. Moi, ce que j'aimais beaucoup en fait, Marc, c'est quand tu as dit lors d'une interview, je pense que quelque part.
C'était Ingrid qui t'avait donné cette humanité qui te manquait justement. Parce que quelque part, justement, les paroissiens, de manière générale, te mettaient un petit peu hors sol. Et quelque part, tu n'étais pas dans un mode de communication possible en tant qu'être humain, puisqu'en fait, on te voyait comme prêtre, c'est-à-dire un être sacré. Et là, d'un côté, j'ai envie de dire, il y a quelque part, peut-être, Ingrid, qui a ce besoin incroyable de parler, de poser les choses, de mettre des mots. Et toi qui peut-être as été tellement, entre guillemets, adulé, mis sur un piédestal, que quelque part, tu ne pouvais pas vraiment dire qui tu étais. Et donc, tu as peut-être aussi été confronté à cette obligation, quelque part, d'entrer en lien et du coup de pouvoir dire, quelque part, qu'est-ce que tu ressentais vraiment, qui tu étais vraiment, et d'entendre pour la première fois ce qu'Ingrid essayait aussi de t'expliquer avec des mots, je dirais, extrêmement simples, extrêmement humains. C'est ça, parce qu'Ingrid, elle ne me mettait pas sur cet échelon sacré, quoi. Et donc, elle m'invitait à parler de mon fond, j'oserais dire, humain, et presque. Elle avait déjà un peu un. Plus je lui parlais, plus elle avait un regard aussi critique, en disant, mais par exemple. Et voilà, elle me disait, tu parles pas de la même manière quand tu es dans une église que Quand on quand est tu es tous les à deux. l'extérieur, parce que tu te mets dans un rôle, tu te mets dans une position, et donc Ouais. qui est attendu par les gens finalement. Mais il y avait d'autres résonances, parce que je me rappelle quand voilà, on a commencé à se connaître, moi je parlais, voilà, je parlais autrement, je pense, du mot amour, voilà, dans mes homélies notamment, et des gens s'en rendent compte et sans le savoir viennent en parler d'ailleurs avec Oui, Ingrid. c'est ça qui est fantastique. Et Ingrid me renvoie ça, me dit, bah là voilà, tu parles de l'amour, c'est plus un concept quoi, Bah oui. c'est incarné, donc t'en Et en parles fait, avec. Ouais. il y a un peu, je dirais, quand je t'entends, le discours officiel que le prêtre, effectivement, a appris au séminaire. Il parle effectivement de l'amour en fonction de ce qu'il a compris de l'évangile, et puis il y a quelque part ce qu'il vit au quotidien ou ne vit pas justement en fonction de sa relation humaine. Et plus tu te coupes effectivement de l'autre quelque part, et plus tu es incapable réellement de parler de ce qui est pourtant quelque part l'essence même de l'être humain, c'est-à-dire l'amour en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'amour devient un concept au lieu d'être quelque chose de vécu. Et Ouais. il y a un décalage du coup. Et c'est comme si on nous interdisait l'authenticité. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de Ouais. mal aujourd'hui, comme Ingrid, à rentrer dans une église et à écouter un sermon, parce que je vois tellement finalement le discours d'un rôle et non pas le discours d'une personne, que je n'arrive pas à, j'ai envie de dire, mais. Retire ton masque et parle avec tes tripes. Et voilà, on a parlé d'un interview que j'avais fait avec un confrère. Je me trouvais, on pouvait pas se comprendre de toute façon parce qu'on ne parlait pas avec le même langage. C'est-à-dire que Il y avait un être humain moi, j'essayais de et dire puis il y voilà avait ce que je Zoom. vis humainement et voilà ce que l'amour produit. Voilà, et l'autre voulait me dire voilà ce que doit être le prêtre, ce qui est attendu du prêtre. Et aussi, les fidèles, les paroissiens, ils jouent un rôle très important parce qu'ils attendent quelque chose d'un prêtre et en attendant cela, ils le déshumanisent. Alors, Oui, c'est. j'ai l'impression en fait que quelque part les deux sont piégés dans leur. Il y a le paroissien qui attend du prêtre quelque chose qui est effectivement censé être conforme à l'Église, et il y a le prêtre qui du coup lui en fait joue ce jeu-là parce qu'effectivement il sait ce qui est attendu et donc il continue à jouer ce rôle-là, alors qu'en fait quelque part il faudrait tomber les masques et pour le paroissien et pour le prêtre et enfin dire ce que c'est que la vie, parce qu'en même temps il y a un décalage. Les gens dans le quotidien ils voient bien que la vie c'est compliqué, etc., et que quelque part s'ils doivent bifurquer de chemin c'est pas grave quoi. Et dans l'Église le message officiel, c'est si vous bifurquez de chemin, que vous ne suivez pas un idéal, c'est un péché, il faut vous en confesser. Donc là, il y a une tension incroyable, en sachant aussi que le prêtre, quelque part, beaucoup de prêtres ont une double vie, donc quelque part, il continue à prêcher des choses que lui-même ne vit pas au quotidien non plus.
Donc ça, à un moment donné, il y a aussi une sorte d'hypocrisie, de mensonge qui est... C'est un peu schizophrénique, quoi, je veux dire. Les deux sont dans une situation un peu schizophrénique. Il serait plus simple, quelque part, de dire ce que chacun vit. On se rencontrerait peut-être plus dans la vraie vie que de continuer de se tenir sur un piédestal en disant, voilà, c'est que l'idéal qui, pour le coup, se vit hors sol, quoi. C'est incroyable, hein. Ouais. Et moi, c'était moi, ça, ce qui me choquait, moi, je me souviens à la parole, c'est qu'il y avait même notamment des femmes plus que des hommes, mais des femmes qui n'osaient même pas toucher Marc tellement elles, tu vois, tellement elles le savent. Enfin, je me disais, mais oh là 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 là, enfin, dans quel truc elle paraît, quoi. Non, mais tu sais, c'est genre, oh, on le touche pas parce que c'est un homme, ça. Enfin, tu dis, mais ouh, ah, on revient sur la terre. Ça. Et en même temps, et à un moment, il y a une fille qui est arrivée. Et Elle a qui osé, est elle a justement osé. Moi, j'ai osé le toucher. est revenue sur la terre, s'est faite plus grande que nécessaire et puis embrasser Marc. Et c'est ça qui est surprenant parce que même dès le départ, voilà, parce que moi en plus j'étais dans la paroisse de ce prêtre qui était mon directeur spirituel Spirituel. longtemps. J'étais dans la paroisse où lui il a été pendant 11 ans et donc ça allait encore plus loin parce que c'est comme si on me contraignait d'être dans sa peau à lui, quoi, voilà, et Ouais, c'était de tellement reproduire finalement ce qu'il était, quoi. Donc, alors, à un moment donné, d'ailleurs, j'ai déçu des personnes parce que ils se sont rendus compte que j'étais pas l'autre. Donc là, j'ai commencé à m'attirer quelques oppositions de certains parce que j'étais pas celui J'attendais. qu'ils attendaient. Et puis du coup, faut essayer de se remettre dans un. Donc c'est à ce moment-là qu'Ingrid arrive. Et d'ailleurs, le premier jour où nous nous voyons, sans relation du tout amoureuse, voilà, Mais à même ce pas moment-là, même amical, pas amicale, c'est ouais. relation pastorale. Ouais. D'ailleurs, un truc que je fais jamais, c'est qu'il y avait deux familles là, et que j'avais pas envie d'être dans une salle de réunion informelle à ce moment-là. Pourquoi à ce moment-là? Donc je dis, on va monter dans le salon Des prêtres. voilà, des prêtres, quoi. Et puis donc moi je me mets dans un coin de canapé, voilà, un peu à distance Les deux des deux femmes. familles. Enfin, moi j'étais seule, mais les Voilà, deux donc je suis familles dans un étaient. coin. Et puis Ingrid, je pense que ça l'insupporte de me voir à distance comme ça dans mon petit coin. M'en souviens, ouais. Et du coup, elle change de place et elle vient s'asseoir à côté de moi sur le Mais il faut canapé, essayer de remettre le contexte. quoi. En fait, il y avait donc, deux canapés, des fauteuils et puis une table basse, si tu veux, comme un salon. Et Marc se met, mais vraiment, mais tu sais, dans le coin, vraiment, comme ça. Et nous, on était de l'autre côté. Et moi, j'ai l'impression qu'il y avait une barrière, quoi, un truc qui empêchait. Donc, moi, j'ai pris mes affaires et je suis venue m'installer à côté de lui sur le canapé. Pour moi, parce que bah, on était en train d'échanger, pour moi, Oui, deux c'est êtres humains ça. qui Bah oui, parlaient, quoi. naturellement, en fait, comme un homme et une femme se parleraient normalement sans ambiguïté, sans a Ah, bien priori. sûr. Mais je pense aussi que le prêtre qui est formé, il est formé justement à se méfier de la femme. Donc, Bah, de bien fait, sûr. c'est Oh, bah, c'est ancré. évident. Bien sûr, C'est depuis évident. longtemps, il faut, voilà, il Bah faut oui. la distance, le terme distance, la juste Ouais, distance. physique comme. Voilà. Et d'ailleurs, quand on a su ma relation, l'évêque, le premier, c'est est-ce que c'est une relation ajustée? C'est sa question. Voilà. Est-ce que c'est ajusté? Voilà. Donc, Ouais. soit dit en passant, non, elle ne serait pas ajustée. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que quelque part, le prêtre doit se méfier de la femme, mais en fait, la femme, quelque part, elle est partout dans l'église. Peut-être pas dans la hiérarchie, mais en tout cas, elle est au service. Dans Donc, les elle petits gravite autour couloirs. du prêtre en Ouais. permanence, quoi. Ouais. Bah, les sacristines, les femmes de l'accueil, les femmes du ménage, bah, les catéchistes, la plupart du temps, ce Ah sont oui, des femmes. évidemment. Euh, Mais le prêtre doit pas être homme. Voilà, mais, donc on lui interdit ce statut mais d'homme. d'ailleurs, d'ailleurs, il y Imagine. avait une, je me souviens, on était déjà ensemble, mais pratiquement personne ne le savait. Et moi, je suis écoutante chez les scouts et guides de France, et on était allé à un. J'étais à un rassemblement. Et je voulais l'annoncer à une copine. Parce que j'étais proche d'elle, donc je me suis dit, bah, faut que je lui dise que je suis avec Marc. Et le soir où je me dis, bon, je veux le dire, on rentre vers nos tentes, etc. Puis il s'avère que dans l'équipe d'écoutants, il y avait un prêtre qui était homosexuel, mais qui ne se cachait pas. Voilà. Et donc je dis, oh, c'est dingue, parce que
On voit quand même qu'il elle me dit, elle me regarde comme ça, elle fait ah bon? Je lui dis quand même, ça se voit. Que, enfin, elle me dit ah ben non, parce que pour moi, les prêtres, ils sont asexués. Bah oui, désincarnés, quoi. Mais bon, pour vous, contrairement à d'autres personnes, vous avez fait le choix, effectivement, après quand même avoir vécu une vie cachée, où vous l'expliquiez de part et d'autre, que vous deviez effectivement, du coup, aller assez loin pour vous inviter à un restaurant, passer des vacances ensemble, etc., forcément à l'insu des paroissiens et du clergé. À un moment donné, vous faites effectivement le choix de franchir quelque part le pas, c'est-à-dire d'officialiser votre relation. Et toi, du coup, en fait, Marc, de dire il est hors de question, une que tu vives dans l'ombre d'un prêtre, on va vivre au grand jour. Ça, c'est quand même un pas énorme. Oui, c'est une transgression, c'est la transgression, on va dire, absolue dans l'Église. Je mesure cette transgression, mais pour moi, il n'y a pas d'autre, hypothèse. Il y a que celle-là. Et derrière, ben, je ne mesure pas finalement la porte que j'ouvre, quoi. Et en fait, j'ouvre une porte de libération incroyable, quoi. C'est-à-dire que je me dis, je transgresse un tabou, ok, mais finalement, ça m'autorise à me libérer d'un carcan qui est énorme, et à me dire, je m'autorise à avoir la vie que j'aurais toujours voulu avoir, mais Ouais. qui m'a été interdite, que je me suis interdit, hein, voilà, cette complexité de. Ouais. On a aussi une part de responsabilité. Ouais. Je me l'autorise enfin, mais et ce qui me l'autorise, c'est qu'Ingrid le permet, parce qu'elle me donne aussi, elle me donne la force de cette transgression, quoi, parce que voilà, elle est à la fois, je sens qu'elle a un petit peu peur pour moi, pour de se dire, Ouais. mais qu'est-ce qu'il est en train de faire pour moi Mais en même temps, elle me donne la force parce qu'elle me révèle déjà ce qu'est la vraie humanité, celle que je veux, celle que j'ai toujours voulu avoir, mais que je ne me suis jamais autorisé à Ouais. avoir. Ouais. En fait, elle te révèle à toi-même, en fait, à travers votre lien. Complètement, complètement. Et là, bah là, tu te dis, bah, ouais, je commence ma vie, quoi. Ouais. Donc, je Est-ce suis rentré que à 40 ans. et ce qui est beau, en fait, c'est que quelque part, je crois qu'Ingrid dit la même chose. Je Bah oui. commence enfin, je commence aussi enfin ma vie après 20 ans où on a vécu séparément Ça. une galère, une emprise. On se trouve, c'est pas un hasard et du coup il y a une alchimie qui se crée quoi. Ouais, Parce que c'est toi ça. aussi, en fait, Ingrid, tu as dû quand même quelque part affronter aussi le regard des autres comme Marc. Tu as aussi dû quelque part Oui. voilà, tu t'es retrouvé aussi coupé de pas mal de monde qui n'ont pas forcément compris ton choix. Non, parce qu'en fait, dans ce qu'on a vécu, enfin, quand un prêtre quitte son ministère pour vivre avec une femme, c'est quand même souvent la femme qui est incriminée dans l'histoire, parce que c'est Encore une elle la fois. tentatrice, c'est elle enfin, voilà, la fautive, je l'ai détournée du droit chemin, je l'ai tentée. Enfin, ouais, je l'ai tentée. C'est-à-dire qu'il y en a même qui disent, ah, mais pourquoi on n'aurait pas dû l'autoriser à chanter dans la chorale, on n'aurait pas dû l'autoriser à faire l'accueil dans la paroisse, etc. Parce que à cause de tout ça, elle a tenté Marc. Donc voilà, enfin, c'est. Donc oui, j'ai entendu des choses moches, très très moches. Mais bon. Oui, et puis toi aussi, tu posais un acte courageux, tu transgressais voilà, bah, l'idée du mariage indissoluble. Oui, parce que moi, Voilà. j'ai eu même des réflexions. J'ai eu des Ouais. réflexions de la part des paroissiennes, parce que c'est souvent des femmes dans ce cas-là qui sont un peu des langues de vipère. Une fois, j'allais communier, et puis une femme qui vient me voir à la fin en me disant, mais. Tu devrais pas aller communier. Avec ce que tu vis, tu ne devrais pas aller communier. Ah oui, bah oui. Et du coup, sachant qu'en plus cette femme, bref, je connais un peu ce que fait son mari, et j'ai envie de dire, bah, comment te dire? Ah bah oui. Si tu savais, si tu savais, tu parlerais différemment. Bah oui, ça c'est pas une chose. On voit mieux chez les autres que chez soi-même. Hein. Ça Ça. c'est un grand classique. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, en fait, Ingrid, c'est effectivement très transgressif aussi par rapport à ce qui t'a été inculqué dans ton enfance. Tu Ah bah reviens de loin, finalement.
Ah bah complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée dans la pure, enfin, la manière catho. Alors, ce n'était pas les traditions, on n'était pas dans Pidis et tout ça, hein, mais malgré tout, voilà, c'était quand même prêtre, Schéma classique, quoi, schéma, oui, schéma classique. Donc, bon. Mon père, voilà, d'ailleurs, moi, j'aime pas du tout comment il s'adresse, hein, comment il parle de Marx. Que, bon, j'ai plus du tout de lien avec mon père, hein, mais enfin, avec celui qui. Mais je le sais par mes sœurs. Il est toujours, Ingrid est toujours avec ce mec. C'est pas. Oui, on voit bien que chacun on vient heurter la liberté de chacun ou Bien la sûr. ou l'absence de liberté, c'est-à-dire Ouais. on vient heurter chacun dans ce qui dans ses choix qu'il voudrait faire, qu'il fait pas, qu'il aurait pu faire, qu'il n'a pas fait. Et donc c'est ça peut c'est vrai, il y a une seule forme Ben oui, de violence dans ce choix. c'est vu comme le monde aussi, quelque part, Oui. d'outrepasser les limites qui ont été imposées de l'extérieur. Donc, quelque part, à chaque génération, de fait, il y a des changements qui s'imposent et il y a des personnes qui osent faire et d'autres qui n'osent pas et d'autres qui jugent. Hein, c'est évident. Mais du coup, en fait, maintenant, au jour d'aujourd'hui, après 4 ans, c'est ça? Donc, vous êtes ensemble depuis 4 ans. Vous vivez les choses comment, en fait, c'est beaucoup plus serein l'un par rapport à l'autre et chacun personnellement, ou bien ça reste quand même compliqué d'avoir posé ce choix parce que le quotidien vous sollicite encore et vous dit peut-être que de fait ça n'aurait pas dû se faire, quoi. Je pense qu'aujourd'hui c'est très serein parce que Oui. c'est vrai, c'est un chemin. On a, voilà, c'est 4 ans où c'est vrai que par exemple, moi en 2018, j'aurais pu prendre mes affaires, partir de ma paroisse, c'est arrivé pour certains, mais si on n'était pas passé par un certain nombre d'étapes où à chaque fois on se confronte au regard des autres, on se confronte, eh bien je pense que ça aurait été moins serein justement. Et puis par des étapes où on est soutenu, écouté par les personnes qui sont dans la confidence. Donc aujourd'hui, oui, moi, pour moi, c'est tout à fait serein parce qu'on assume maintenant totalement le choix que l'on pose et on en voit tous les fruits de cette Oui, c'est ça. transgression, quoi. Cet C'était le environnement bon choix. amical que nous avons aujourd'hui, l'environnement familial, ce qu'on vit avec les enfants qui est beaucoup plus paisible aujourd'hui, c'est l'environnement, voilà, même la capacité aujourd'hui à envisager Oui. l'avenir, des choix professionnels, personnels. Donc. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les choses se sont faites aussi. Marche par marche, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, on connaît des couples qui. Bah, voilà, le prêtre, il a voulu partir vite, machin, etc. Et en fait, nous, c'est pas ce qu'on a voulu prendre comme chemin. Et finalement, les choses se sont posées de manière, tu vois, sereine. Enfin, à chaque fois, chaque marche avait. C'était une étape. Et une étape qui, maintenant, nous permet de dire, bah voilà. C'est une temporalité très dense, hein. C'est sûr que Bah, souvent, voilà, quand on se dit en 4 ans, aujourd'hui, tu en vois, quand tu 4 te ans, on a regardes. vécu 20 ans, quoi. Oui, ben oui. Ça avance enfin de manière fulgurante. Mais aussi, c'est aussi se dire peut-être que de fait, il y a eu ce passé où on était complètement encalminé, et puis à un moment donné, on sent quelque chose de salutaire qui se met en place. Et ça a peut-être aussi pour effet, quelque part, le fait justement que vous puissiez vous exprimer en public, ça a peut-être aussi pour effet que d'autres personnes qui n'osaient pas se confient peut-être à vous aussi. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important, c'est de se dire, ils ont osé, on le vit aussi, mais on n'ose pas Oui. encore le dire, on est encore un petit peu torturé intérieurement, et le fait d'en voir d'autres, ça permet aussi d'ouvrir des portes. Ben, ça libère la parole pour plein de gens, en fait. C'est-à-dire Mmh. que souvent, enfin, moi, je me souviens, quand on a commencé à parler, il y avait plein de gens qui nous écrivaient sur les réseaux sociaux, etc. Et qui me disaient, mais en fait, vous êtes notre porte-drapeau, quoi. Enfin, notre porte, parce qu'au-delà du fait qu'on défende quelque chose, enfin, c'est-à-dire que le mariage du clerc, on porte aussi quelque chose, enfin, la liberté, et puis une certaine forme de combat contre tous les abus, quoi. Oui,
et de se dire il est si facile de se laisser imposer sa vie par d'autres et quelque chose qu'on veut pas, qu'on ne veut plus, qu'on veut plus, mais aujourd'hui ben, il faut prendre conscience. Donc il y a aussi quelque chose, un engagement à aider à une forme de prévention, prendre conscience des petits signaux. Voilà, bon, moi il y a 2-3 jours j'ai écrit un petit texte sur ce qui peut se passer dans une homélie, comment elle peut devenir, comment elle peut manipuler les consciences, c'est-à-dire que ben, le prêtre qui a une autorité peut s'en servir pour manipuler les consciences. Et puis bah Ingrid, je pense, va être aussi très sensible à tous ces petits signes qui font que on se laisse humilier, on se laisse dégrader par un autre. Et puis c'est marrant parce que Lancelot, mon fils qui a 19 ans, en ce moment il est en train de faire un violentomètre pour les enfants, par exemple. Lui, il est en train de monter ça parce que bah, lui forcément en tant qu'enfant qui a vécu, parce qu'on on est allé à l'autre jour à une conférence sur les violences éducatives ordinaires, et donc moi à un moment je prends la parole pour expliquer, enfin dire ce que mes enfants ont vécu, et puis d'un seul coup en fait l'animateur, enfin le conférencier me regarde puis il me dit, mais Ingrid, là on n'est plus dans la violence éducative ordinaire, on est dans la maltraitance d'enfants. Et en fait à ce moment-là ça me saute à la figure, je me mets à pleurer, enfin c'est hyper violent, et j'en ai reparlé à la suite avec ma psy, et elle me dit, mais en fait Ingrid, c'est que dans les 23 ans durant lesquels vous avez, votre cerveau en fait a été même modelé à l'image de celui qui pardon, de votre ex-mari, et en fait pour défaire tout ça, déconstruire tout ça, en fait ça met un temps incroyable, et donc les choses elles ressortent, tu vois, elles te sautent à la figure, mais petit à petit, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain tu te dis, ah bah ça y est, ah oui, alors, j'ai vécu ça, donc là. Et tu vois, et là on en est, je me suis mariée en 95, on est en 2022, et d'un seul coup je prends, il y a 10 jours, je prends conscience qu'en fait mes enfants ont subi de la maltraitance, pour moi c'était de la violence éducative ordinaire. Et elle me dit, mais en fait, petit à petit, vous êtes en train de déverrouiller, tu vois, de faire sauter les derniers. Oui. Quand on était enfermé dans un milieu, forcément, après, quand on en sort, ça prend un temps fou pour se rendre compte de ce qui s'est passé en vase clos. Mais plus, je dirais, ça a été long, et plus, du coup, aussi, le chemin inverse pour se retrouver soi et comprendre ce qui s'est passé est long aussi. Mmh. Et du coup, c'est vrai que par rapport à votre histoire, je dirais, de part et d'autre, du coup, vous avez quand même des projets que vous portez, parce que c'est quand même souvent les personnes qui ont été entre guillemets victimes de maltraitance qui de fait sont les mieux placées justement pour porter des projets et se battre jusqu'au bout, sachant d'où elles viennent et l'importance que ça revêt de lutter contre la maltraitance justement. Donc peut-être que vous pouvez nous toucher un petit mot l'un et l'autre que de vos projets respectifs. Ben en fait on est en train de monter une association justement pour accompagner, aider, essayer de faire prendre conscience aussi, enfin de la prévention sur les abus en fait, quels qu'ils soient, c'est-à-dire abus de pouvoir, abus spirituels, abus sexuels. On est très attentif à tous ces petits signaux qui arrivent très tôt et donc c'est déjà en parler de ces petits signaux qui font qu'on rentre dans un système d'emprise. Ouais, mais pour en parler, en fait, il faut pouvoir avoir aussi les outils, les indicateurs qui permettent de pouvoir en parler. Du coup, c'est vrai que je suis particulièrement fière de mon fils, Lancelot, parce que du coup, il m'a dit ça l'autre jour. Il dit, mais maman, je vais, parce que donc il y a le fameux violentomètre. Pour les femmes, où là effectivement c'est très bien expliqué, etc. Et il me dit, mais en fait ça n'existe pas pour les enfants, je vais en faire un pour les enfants. Donc là il est en train de travailler dessus, il a presque fini. Et c'est vrai que c'est effectivement parce que c'est des petites choses. Je ne dis pas que ça va révolutionner, parce que c'est plus. Alors, on sait très bien que l'emprise c'est très compliqué, etc. Mais au moins, je pense qu'il y a des petites. Oui, visualiser la chose. Ouais. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais. Après, je ne dis pas que tu vois, les gens vont en dire, ah bah oui, tiens, j'ai vu ça, donc ça y est, je suis... Non, mais bon, c'est un moyen parmi d'autres, hein, je veux dire, c'est une goutte, mais il la faut, quoi. Ouais. Et il y a peut-être aussi d'autres projets encore. Oui, et puis continuer, il y en a d'autres, et continuer aussi le combat sur un plan juridique, parce que moi, ma conviction, c'est qu'on ne pourra faire sortir
l'institution ecclésiale de son abus de pouvoir uniquement de l'extérieur, donc mobiliser le judiciaire, le politique éventuellement, et le législateur peut-être. La mort de François, à mon sens, fait éclater aussi tout un vide juridique abyssal de la prévention et du harcèlement moral dans l'Église. Et donc voilà, moi je pense qu'on est très clairement dans quelque chose qui doit aller vers qualifier une complicité de harcèlement moral. Donc pour ça, il faut qualifier le type de relation qui existe entre le prêtre et l'évêque. Donc il faut arriver à ce qu'on arrive enfin à ce lien de subordination, à ce combat juridique. Donc ça, c'est aussi. C'est vrai, on voit bien que sur le plan de la responsabilité civile, justement, l'Église, quelque part, a toujours eu un statut de faveur, hein. C'est très, très compliqué de mettre en cause l'Église, un évêque. Il y a toujours une sorte d'immunité et une difficulté à nommer les choses aussi et à y voir clair, parce qu'on imagine difficilement en fait que l'Église puisse mettre sous emprise et puisse abuser et puisse effectivement être à l'origine de dérives sectaires. Ça prend du temps aussi, justement, on parle du temps de la conscientisation de la maltraitance dans un couple. Je dirais que sur le plan de l'Église, elle est tellement présente, omniprésente en Occident depuis tellement d'années, de siècles, qu'en réalité, ça prend des plombes aussi, plus encore, pour y voir clair, en termes d'abus, je veux dire, d'emprise. Oui, donc il faut voilà, même les parlementaires, il y a une commission post-SIAZ, enfin une commission parlementaire qui a reçu Jean-Marc Sauvé après le dépôt du rapport de la SIAZ, et j'entendais encore, oulala, attention, toucher aux lois de séparation, une peur aussi, sauf que la peur devient une absence de protection. Oui, c'est ça, en fait. Après, on devient complice aussi des méfaits commis si à un moment donné on ne prend pas ses responsabilités, quoi. Et puis un autre projet peut-être dont on va peut-être un petit peu parler aussi, c'est il y a un projet d'écriture, je pense. C'est pas rien, ça, mais non, sur le papier c'est pas rien. En fait, on a pas mal réfléchi sur la manière dont on voulait écrire. Et en fait, on s'est dit que à quatre mains, c'était très bien. Quatre mains et deux voix. Ouais. Et que de dialoguer notre chemin. Donc on est en train de, on l'a beaucoup fait par oral, mais faut passer. Oui, mais c'est ça. Vous l'avez quand même verbalisé, et puis quelque part, je pense que vous avez réussi à baliser un peu votre histoire respective commune, et du coup les mots peuvent s'écrire peut-être plus facilement qu'il y a 4 ans aussi. Ouais, c'est ça. Donc on espère que ça va aboutir vite. Ouais. Et puis projet de se marier quand même. Et projet de se marier aussi. vous mariez, et alors vous invitez aussi à la question qu'on avait abordée l'autre fois, mais c'est important, qui est la question aussi du changement de nom. Oui. Là c'est imminent là. Oui, en fait, donc moi je fais les démarches donc pour récupérer, c'est porter le nom de ma mère, un nom flamand d'ailleurs, soit dit en passant. Bienvenue. et puis donc après, une fois que je serai mariée, je porterai le nom de ma maman et le nom de Marc. Voilà. C'est une très très longue histoire, mais alors du coup, avant d'en terminer peut-être, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, mais j'aimerais quand même vous poser une question. Pour revenir justement du coup à votre parcours de l'emprise à l'amour, comment vous expliqueriez en fait en quelques mots cette alchimie qui s'est créée entre vous? Parce que bon, quand on vous voit, c'est quand même pas courant, hein. Enfin, je veux dire, quand on voit les couples, souvent c'est quand même pas évident, c'est souvent galère, et les gens restent parfois pour des mauvaises raisons. Ici, vous avez réussi quelque part à quitter votre situation et à vous retrouver, et visiblement à être plus heureux. C'est peut-être ce qu'on demande à la vie, c'est de montrer que la vie peut nous rendre heureux. Et ça allait être le cas pour vous, du coup, en fait, pas votre parcours respectif qui est pas le même, je le répète, mais vous avez quand même réussi à trouver des points communs pour faire en sorte que cette alchimie entre vous deux fonctionne. Comment vous l'expliquez? Mais il y a quelque chose que moi, je n'arrive pas à expliquer, justement, c'est que, en fait, quand j'ai rencontré Marc, il y avait quelque chose de, une espèce d'évidence. Évidemment, la première fois que je l'ai rencontré, je ne me suis pas dit, ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Bien sûr, ce n'était pas ça, mais quelque chose comme si
je connaissais depuis toujours, comme si je le connaissais depuis très longtemps. Et du coup, bah, en fait, il y avait quelque chose de très... Alors, malgré tout ce qu'on vivait chacun, l'un et l'autre, une espèce de truc... Enfin, j'espère qu'on va expliquer, mais tu vois Oui, ce que je veux dire? et puis bien sûr, ça, cette évidence, elle était là, voilà, de se dire, et en même temps d'être de choisir, quoi. C'est-à-dire que chacun d'entre nous choisissions, et on choisissait ensemble, sans se laisser dictée finalement par d'autres. Alors on n'était pas dans une bulle parce qu'on avait besoin du regard des autres, on avait besoin d'être vus en couple tous les deux, voilà, c'était très tôt. Mais c'est ouais, cette force de conviction que là, à ce moment de notre vie, on était rendu capable à ce moment-là de vraiment de choisir. Ouais, et en pleine en Ouais. pleine conscience, Et quoi. en continuant le travail, puisque voilà, tous les deux, on continue un travail réflexif sur nous-mêmes dans notre environnement, dans notre histoire. Voilà, on continue beaucoup. Vous aviez chacun cheminé de votre côté, en fait, et puis vous avez du coup été capable de cheminer ensemble en évitant justement les écueils que vous aviez connus, parce que c'est ça, ne pas répéter, c'est ça le plus dur parfois. Et puis cette petite phrase de un ami américain que j'aime beaucoup qui dit fais en sorte qu'à la fin de ta vie tu puisses dire j'ai choisi la vie que je voulais avoir. Et ça, je pense que tous les deux à ce moment-là, on pouvait Ben, on se le dit, enfin se le dire. ouais. Je Ben, on choisis se la le... vie que je veux avoir. ouais, mais on se le dit souvent. Moi, souvent, je me dis, je veux pouvoir dire sur mon lit de mort que la vie que j'ai eue, ben, c'est la vie que j'avais envie d'avoir, quoi. En plein choix, en plein. Ouais, personne m'a dicté ce que j'avais à faire ou à dire. Ni la recherche d'un rôle, d'un statut Non. social, son cœur, quoi. Oui, mais ça demande du coup beaucoup de décapage, parce que quand on vous voit, on pourrait dire c'est simple, mais en fait, quand on sait un peu d'où vous venez, on se dit effectivement que pour arriver quelque part au plus simple, il a fallu justement passer par le plus compliqué, le traverser aussi. Donc voilà, c'est quand même des années de galère, quoi. C'est pas Non, non, mais... le bonheur se construit, il ne tombe pas du ciel, pour le Non, coup. c'est clair. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'effectivement, on est là aujourd'hui de manière très sereine, joyeuse, heureuse, mais on a traversé aussi nos... Je crois qu'on a traversé nos déserts, quoi, quand même. Ouais, et puis on peut le mesurer aujourd'hui, et voilà, on mesure les combats qu'on a dû vivre et peut-être le mode survie dans lequel on a été Ouais. pendant longtemps. On a survécu et maintenant il est temps de vivre. Ouais, c'est peut-être le plus beau mot de la fin, effectivement, il est temps de vivre. Je ne sais pas si vous voulez donner un dernier mot, une parole à ceux qui nous écouteront par rapport justement à votre vécu. Est-ce que votre vécu peut avoir comme résonance pour les autres? Bah moi, j'ai envie de dire qu'en fait, il faut savoir, parfois, il faut savoir se laisser, enfin, ouais, laisser, enfin, se laisser accueillir, enfin, accueillir les choses qui se mettent devant, enfin, sur notre chemin. C'est-à-dire que parfois, on se dit, non, voilà, enfin, moi, enfin, comme je te l'avais dit, j'étais pas du tout prête dans ma tête à retomber, enfin, à me dire, je vais retomber amoureuse, parce que c'était, voilà. Et parfois, ouais, il faut savoir accueillir. Ah, je sais pas si c'est. Oui, ouais. Une sorte d'évidence qui se façonne après, voilà, évidence, et puis ben, toujours cette prise de conscience que nos choix doivent bien être nos choix, quoi. Oui, c'est ça. Enfin vivre sa vie telle qu'on l'a désirée, plus simplement la subir en fonction des diktats qui ont été imposés. C'est peut-être ça le plus long chemin, en fait, c'est de se déconditionner. Depuis l'enfance, on a été évidemment, on a reçu beaucoup d'injonctions, d'assignations, et puis
la femme peut-être plus encore, justement, et puis à un moment donné, on se dit, ça ne correspond pas, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, juste d'être finalement en vérité avec soi-même, quoi. Ouais, juste ça. C'est ça. C'est pas rien, juste ça. C'est pas rien. Mais en tout cas, merci à vous deux parce que je trouvais sympa de vous voir séparément. Et puis, Merci à je toi. trouvais sympa de vous avoir aussi tous les deux pour qu'on puisse justement voir un petit peu ce que vous étiez devenus et puis la manière dont vous résonniez l'un l'autre. Donc, un grand merci. Merci à toi. Au À très revoir. vite. Au Oui, revoir. à très vite.